Oui, tu sais, là-bas, il dit c'est le noble art. C'est un art de toucher sans se faire toucher, d'esquiver, de faire des feintes, de jouer dans la tête de ton adversaire. Ça ressemble beaucoup à un match de tennis, d'une certaine façon. C'est un adversaire devant l'autre. Des fois, eux, ils frappent près du filet, loin du filet, ils font des feintes, ils ont des coups plus forts, des coups moins forts. C'est un peu la même chose à la boxe. C'est très technique, c'est très tactique. Puis c'est sûr que ça reste que c'est des coups de poing sur la tête, on va pas se mentir. Mais il y a tellement de gens qui viennent faire de la boxe de manière récréative pour apprendre, pour se défouler. À un moment donné, j'enseignais la boxe à l'école secondaire de Saint-Roch-Lachigan durant une année. Puis j'ai tellement vu les jeunes changer par rapport à ça, se faire des amis. J'avais un petit garçon, il avait 13 ans, il n'avait pas d'amis. Il s'habillait toujours de la même façon, il cachait son visage avec ses cheveux, il était super timide. Puis à la fin de l'année, il avait plein d'amis. Il s'était tout bien coupé les cheveux, ses notes ont fait ça. La boxe avait carrément changé sa vie, puis sa mère était venue me le dire, puis me remercier, puis il avait gagné le meilleur élève de cette cohorte-là. Fait que la boxe change la vie sans nécessairement devoir se battre dans un ring. C'est beau à l'extérieur, c'est beau. Les gens qui s'entraident, tu sais, on peut juste regarder ici à Boxe Montréal, il y a des gens de 10 ans comme il y a des gens de 60 ans. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a de toutes les ethnies. Puis tout le monde ici, personne ne se juge, tout le monde est ici pour s'aider. Je pense que quand tu rentres dans un gymnase de boxe, c'est une famille que tu choisis, tu sais, d'une certaine façon, puis ça fait du bien. C'est un beau monde. Tout le monde devrait apprendre une base de défense, que ça soit, tu sais, la boxe, le karaté, le taekwondo, le kickboxing, c'est important, puis je trouve que ça peut toujours servir, puis ça donne une confiance. Bien, écoute, on invite tout le monde à essayer de s'initier, à s'intéresser à la boxe, à t'intéresser à toi. Venez voir mon combat le 1er décembre à la Place Belle. Vous ne serez pas déçus. Il va y avoir une belle sous-carte. 3 combats féminins, dont même Marie-Pierre Roule, Caroline Vert, Derek Pomerleau, qui est extraordinaire, Mazloum. Ça va vraiment être une belle carte. Mon combat, ça ne sera pas ennuyant. On va aller écrire l'histoire. L'histoire dans le livre va commencer avec un cas pour Kim Clavel. J'ai la ceinture WBC, WBA sur mes épaules. Je suis contente de vivre ça avec tout le Québec. Je sais que tout le Québec en entier va être en arrière de moi. Puis j'ai hâte de vous offrir une nouvelle championne du monde unifiée. C'est pas n'importe quoi.